Les champs libres sont jumelés avec le quartier Clonay-Arsenal-Redon-la-Courrousse depuis 2017. Au début du jumelage, on a laissé émerger les envies et les projets des acteurs du territoire. Et il se trouve qu'il y avait une envie à la fois de l'association Mémoire Arsenal-Courrousse et des habitants de rendre visible et lisible le patrimoine de la Courrousse qui est en pleine mutation, en plein aménagement. On a réussi à mettre plusieurs acteurs autour de la table pour étudier la faisabilité d'un projet de visite autonome pour les habitants de Rennes et les touristes qui auraient envie de découvrir toute cette histoire. Le projet Parcours Mémoriel est né en fait de la volonté des anciens ouvriers de l'Arsenal avec un groupe d'habitants. Leur souhait, c'était de valoriser en fait l'histoire et la mémoire de la Courrousse pour que cette mémoire, notamment ouvrière, ne disparaisse pas et puisse être valorisée. Notre projet en tant que tel, c'est un projet donc d'interprétation mémorielle du patrimoine à la Courrousse. Et notre souhait, c'était de mettre en place un itinéraire sur le quartier avec des points particuliers le long de l'itinéraire qui permettent en fait aux visiteurs de découvrir l'histoire et la mémoire du site de la Courrousse. Dans cette idée de proposer un parcours de mémoire, ce qui était important pour nous, c'était de proposer une vraie interaction avec le dispositif qu'on mettait en place, donc qu'on peut toucher, qui s'expérimente de manière, on va dire, variée par le corps. En fait, on voulait vraiment provoquer l'idée de la rencontre avec ce qu'on produisait, que ce ne soit pas quelque chose qu'on va chercher forcément, mais quelque chose sur lequel on tombe. Les collections du Musée de Bretagne ont beaucoup servi comme appui à ce projet pour restituer cette histoire puisée dans toute cette diversité a permis d'apporter beaucoup au projet. La démarche de Bernard de Secchi et Paola Vigano m'a beaucoup marqué. Ils avaient un rapport justement à la mémoire qui met sur le même plan à la fois l'histoire bocagère que l'histoire du quartier et avec une volonté de garder et d'assumer les traces qui sont là. C'est une manière assez délicate de dessiner l'urbanisme. Le projet Quelle est la forme de la mémoire s'est déroulé en différentes phases. La première, ça a été de rencontrer les habitants et aussi rencontrer le territoire. Donc on a fait 3 explorations où on parcourait le territoire de la Courrousse. Après, on a eu plusieurs ateliers. Selon un thème que j'avais défini, on découvrait en fait une partie de la mémoire de la Courrousse. Et donc les gens en fait découvraient ces boîtes que j'avais constituées avec à l'intérieur des textes et des photos. Et ils rebondissaient en fait sur les choses qu'ils découvraient au fur et à mesure. Et après une première moitié d'atelier, Jacques prenait la main. Et là, on se disait, de tout ce qu'on a échangé, quelle forme en fait on peut donner. Dans la méthodologie qu'on a voulu mettre en place, il y a un point qui était très important pour nous, c'était vraiment de travailler avec les mains et travailler par le prisme de la maquette. On est déjà en train d'expérimenter la construction de quelque chose quand on le fait en maquette. Le fait, nous, d'avoir la mémoire de l'ensemble du site par rapport à notre travail de recherche nous permet de pouvoir expliquer ce qui s'est passé. C'est pour ça que le parcours mémoriel, lui, sera important, puisque en différents points, nous allons retrouver des formes qui seront porteuses de récits qui évoqueront ce qui s'y faisait. Comme je venais d'arriver dans le quartier, je me dis, c'est peut-être l'occasion de connaître déjà des nouveaux habitants. Et puis, n'étant pas de Rennes aussi à la base, je ne connais pas en fait l'histoire de Rennes, je ne savais pas qu'ici, qu'est-ce qu'il y avait exactement. Du coup, j'ai adhéré très rapidement au projet. Il y avait quelle est la forme de la mémoire, mais aussi comment on raconte. Avec les habitants, on a eu plusieurs ateliers d'écriture. Donc c'était une écriture avec des thématiques historiques ou mémorielles, mais on avait un jeu d'écriture qui était plus dans le domaine de la poésie. Au niveau des ateliers, on a créé un noyau avec des personnes qui ont travaillé sur le site. Donc d'avoir leur témoignage, en fait, c'était assez sympa. Et lorsqu'on a composé justement ces fameux écrits pour les panneaux, tout ça, ça se construisait comme un puzzle. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt sympa aussi. Ce qui sera
très, très drôle en fait, c'est que ce système qu'on est en train de proposer, de raconter en volume la mémoire du quartier, qui s'enrichisse au fur et à mesure des années, que les gens se l'approprient et qu'ils fassent après leur propre parcours dans le reste de la ville.